Nous, Orange, on a besoin de faire découvrir les métiers du numérique aux jeunes, hein, pour leur orientation, et sur des métiers à la fois, alors, donc du très haut débit et du numérique, et aussi des métiers commerciaux, puisqu'il y a quand même 50% des métiers chez nous qui sont commerciaux. Titre personnel, et c'est pas la première fois que je participe à ce genre de manifestation, c'est très riche pour un cadre d'une grande entreprise de rencontrer d'autres entrepreneurs, hein, qui ont d'autres problématiques, et puis des jeunes qui nous font découvrir leur environnement, leur façon de penser, et ces choses-là, c'est pour nous aussi un apprentissage, hein. On parle beaucoup de reverse mentoring, hein, dans les entreprises. De reverse mentoring, c'est-à-dire on s'apporte mutuellement, voilà, entre générations. Absolument. Et je pense que ces journées-là nous permettent aussi à nous d'apprendre et d'être un peu plus, de s'adapter un peu plus à ce que les jeunes recherchent. J'ai participé il n'y a pas très longtemps à un jury de sélection pour entrer dans une école d'ingénieurs. Et on demandait aux jeunes, mais qu'est-ce qui vous intéresse dans la semaine cybersécurité, hein, qu'est-ce qui vous intéresse dans la cybersécurité? On n'arrive pas à comprendre vos motivations, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment et qu'est-ce que vous aimez? Et il nous a répondu, mais c'est comme si vous me demandiez pourquoi j'aime les fraises. Et donc je me suis dit, bon... C'est difficile à expliquer. Oui, et je me suis dit, mais finalement la réponse n'est pas si bête que ça, parce que pourquoi? Lui, il est passionné par ça, il ne sait pas l'expliquer, mais c'est une passion. Et voilà, on a tous ri autour de... Et je me suis dit, bon voilà, ça c'est une réponse de jeune, je ne pense pas que je l'aurais faite, hein, cette réponse-là, mais bon, finalement, il faut l'apprendre comme ça, et il a été retenu. Alors je ne sais pas si on a eu raison ou tort, mais on s'est dit, bon, finalement, on pose des questions, ils les comprennent d'une certaine façon, ils nous répondent d'une certaine façon, c'est à nous d'interpréter ça, et voilà. Donc c'est une petite expérience où on se remet en question, on y repense après, on se dit bon. Et puis je suis sûr que vous l'avez ressorti celle-là. Mais bien sûr, parce que finalement, très honnêtement, je me demande si c'est pas la bonne réponse. Voilà, oui. Voilà, donc voilà.